Bon matin tout le monde! Donc je suis en train de prendre ma petite marche habituelle à Banjo. Ici. Puis, zut, il vente un petit peu. J'espère qu'on va entendre. Fait qu'on est samedi, donc bon samedi, c'est le week-end. Youpi! Puis là, mes plans pour aujourd'hui, dans le fond, j'ai le souper de mon grand-père. Mon petit-moi, de mon grand-père et de mon oncle. Et sinon, j'ai pas grand-chose de prévu. Là, je pense que j'ai arrêté de parler parce qu'on n'entendra pas super bien. Bon, donc là, je suis allée déposer Banjo, puis je suis à la route vers la pharmacie. Parce que dans le fond, j'ai eu comme idée que je pourrais faire un beau pain choco-banane pour mes grands-parents. Puis, comme que je fais un lift à ma mère pour se rendre là-bas, ben que j'allais lui en faire un aussi. Fait que... C'est ça, puis là, c'est le pain aux bananes de Mathieu Dash qui est super bon. Puis il manque un ingrédient, puis c'est de la crème fleur. Fait que je vais aller acheter ça. Je pense qu'ils ont ça au Pharmaprix, mais sinon, au pire, j'irai au marché. Bon. Fait que là, je suis en route vers là-bas. J'ai mon petit sac réutilisable comme ça, dedans le sac. Je l'aime vraiment beaucoup. Puis je vais vraiment essayer de switcher là, vers des sacs en coton comme ça. Parce que les gros sacs réutilisables en plastique, ça se lave pas vraiment. Puis c'est rendu comme une grosse source de genre contamination, là, de contamination croisée qu'ils appellent. C'est-à-dire que, tu sais, par exemple, si on met des cuisses de poulet ou un poulet dans ton sac réutilisable, puis que ça coule un petit peu, ou que genre même l'emballage a été touché par le boucher qui lui avait touché le poulet. Puis là après ça tu mets des fruits et légumes, ben allô la salmonelle! Comme admettons l'utilisation d'après, tu mets des fruits et légumes, ben c'est ça. Fait que ça te contamine. Là c'est rendu vraiment à la roue. Donc c'est ça, c'est rendu quand même une grosse source de contamination. Je vais essayer le prochain sac. Sacs de plastique mélangeront d'acheter des sacs en coton, mais c'est quand même cher. Où est-ce que vous en achetez si vous en achetez? Donc là, je m'en vais à la pharmacie. Bon, donc, excusez-moi mes cheveux, j'ai pris ma douche hier puis je les ai pas encore peignés. Donc, j'ai fait mes petits achats. Donc, juste ma crème sure. Dans le fond, j'allais là juste pour de la crème sure. Puis j'ai probablement payé genre 5 fois le prix à l'épicerie. Mais c'est pas grave. J'ai voulu faire ma paresseuse. Puis sinon, j'ai vu aussi qu'il y avait des muffins anglais. Puis là, je me suis dit que ça serait bon. Un bon sandwich déjeuner dans un muffin anglais. Puis en plus, il y a quelques semaines, j'ai acheté des tranches singles de Kraft pour faire des grilled cheese. Genre, j'avais vu ça là, en spécial. Fait que je m'étais laissée emporter. Puis finalement, j'avais même pas de pain pour faire des grilled cheese. Pas fort, hein? Mais bon. Des tranches oranges de même, là, ça expire pas, là. Je sais pas, là. Mais en tout cas, c'est assez chimique. Pas sûr que ça expire, mais ça va faire vraiment bon. Ça va faire comme au McDonald's. Voilà!
jeans, puis j'ai mis un beau petit chandail comme ça que j'avais pris au H&M, mais il y a de cela quelques années. Puis je vais apporter ma petite veste comme ça parce que je suis une frileuse dans l'âme. Ça fait-tu beau? Ouais. Que soit elle, moi je sais pas si ça va être elle ou un autre, en tout cas. Puis une petite laine, fait que c'est ça. Là pour le moment, j'ai vraiment chaud. Regarde, Banjo! Banjo! Donc, c'est un départ! Et j'ai mis mes petites bottes. Banjo, il fait exprès! J'ai mis mes petites bottes de printemps. Je vais vous les montrer comme ça. À cause de qui? À cause de toi? Oui! Voilà! Bon, donc... on va-tu bien? Donc, je viens de partir. Là, je vais aller chercher ma mère, puis on s'en va chez mes grands-parents à Laval. Puis, ben c'est ça. Fait que je pense pas que je vais vraiment vous filmer. Je ne vous filmerai pas rien. Mais on se parlera plus tard dans la soirée. C'était vraiment le fun, mon souper, c'était super bon, puis tout le monde était vraiment de bonne humeur, fait que c'était vraiment le fun. Ouais, c'est ça, fait que j'ai même montré là, ma nouvelle voiture à mon grand-père. Mon grand-père, il aime bien ça, les voitures, là, puis il était vraiment content pour moi, puis tout, puis il trouvait vraiment ma voiture bien, puis c'est ça, que j'étais bien contente de lui montrer. Et puis, ben là, c'est ça, je suis en train de faire la maison, et je viens juste d'aller déposer ma maman et son chum chez eux. Je leur faisais un lift. Et puis là, je m'en vais voir Monsieur Banjo parce que là, il était tout seul à la maison. Je le regardais avec l'application là, que je vous ai déjà parlé. Puis il a pas mal fait dodo toute la soirée. Fait que pas bien remarqué, il s'est reposé. Je l'avais pas mal brûlé là, avant de partir. On est allé au parc, on est allé faire des grosses marches. On a joué à l'intérieur. Fait qu'il n'est pas élevé. C'est ça, ben là je vais aller le réveiller un peu, il va être content, mon Dieu, qu'il va être énervé là. Fait que c'est ouais, c'est ici, faut que je tourne. Fait que là, je m'en vais à la maison et je vous reparle plus tard. Allô Banjo! Coucou mon amour! T'es content? Oups! t'es pas gênée, hein? Oh, je t'aime! Oui, je suis contente de te voir, moi aussi, mon bébé. Assis? Bon chien! Tu donnes-tu la patte? Hop là, on donne tout. Ok, on se calme. Oh oui, c'est beau chien. Je suis trop énervée, hein? Bon, donc, on est de retour à la maison, en incluant juste moi. Je suis de retour. Ben, comme je vous disais, c'est super le fun. Là. On a vraiment passé une belle soirée. Et puis là, mon plan, ben, c'est que je vais aller chercher mon chum Banjo. Ça suffit. Je vais aller chercher mon chum à sa job tantôt. Et fait que là, je vais partir. Lui, il finit vers 11h. Je vais partir vers comme... d'habitude, je passe vers comme 10h40. Mettons, pour arriver à sa job comme quelques minutes à l'avance. Puis tout. Et mais là on dirait que j'ai quasiment envie d'arrêter au Tim Hortons chercher des Timbits. Et je sais pas si j'étais focusée. Ouais, pour aller chercher des Timbits. Mais je sais pas, en tout cas. Peut-être que finalement ça va plus me tenter rendu là. À suivre, mais là je m'occupe de cette chose ici. Ouais, fait qu'il faut que je fasse mon lit. Banjo, ça suffit! Il arrête pas de me lécher les fesses, Seigneur! Qu'est-ce qui se passe là? C'est quelque chose, c'est. C'est du gâteau, c'est les fesses que même là? Non! Ça va pas en tout. Vraiment pas tout. Fait que, ben c'est ça. Fait que là, je m'occupe de faire cette chose. Ça me tente pas en tout. Ouais.
là. Oups, là. Je m'y attaque. Puis après ça, en fait, j'ai deux choses. J'ai ça. Puis après ça, j'ai celle-là, ici. Maudit lavage, on n'en vient jamais à bout, hein? Ah, là là. Bon, donc, je viens de finir de passer... De faire mon lit. J'en ai profité aussi pour passer juste une petite balayeuse vite vite parce que j'aime ça quand je viens de faire le lavage de mon lit. Ben, que tu sais, de passer bien bien la balayeuse encore, même si elle était passée vendredi parce que on dirait que ça fait en sorte qu'il y ait moins de miettes qui vont être dans les draps. Puis là, je m'attaque à ma petite au rangage, ça se dit pas bien, très bien. De plier et de mettre sur des cintres mes pulls. Puis je faisais tout ça en regardant la belle Alexandra Larouche. Je regardais son vlog qu'elle a sorti aujourd'hui. J'étais vraiment contente. T'sais, c'est plus rare qu'elle en sort maintenant. Puis moi, c'est une YouTubeuse que j'aime vraiment beaucoup. En fait, c'était la première YouTubeuse que j'ai commencé à suivre. Puis ben, c'est ça, je la suis depuis vraiment longtemps. Puis je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est vraiment... ben, elle est sympathique. Là. Je l'ai rencontrée. Puis elle était vraiment super gentille. Puis là, elle déballait un colis de goldfish. Puis là, j'ai genre vraiment envie d'en manger. C'est tellement bon, là. Fait que là, j'ai un craving de goldfish, mais je suis pleine comme ça se peut pas. Fait que je vais peut-être aller m'en acheter quand même. Fait que là, je m'occupe de ma petite brassée. Allô tout le monde! Donc, je suis dans l'auto. Il est rendu 11h du soir. Puis là, j'attends mon petit chum qui finit sa job. Finalement, je peux arrêter au Timbits. Je suis pas arrêtée au Tim Hortons me chercher des Timbits parce qu'en vrai j'avais même plus envie. J'avais plus envie, mais j'ai un craving de goldfish depuis que j'ai regardé le vlog de Alexandra Larouche. Elle recevait un colis de ça là, puis on dirait que j'ai vraiment envie d'en acheter, mais je sais pas, ça se trouve ça à... Ouais, ça doit se trouver au dépanneur. Faudrait que je trouve un dépanneur 24h. En tout cas, à suivre. Puis ce soir, ça va être bien relax. On risque de se déboucher une belle petite bière de microbrasserie. On aime bien ça le soir, s'en prendre une bonne petite quand mon chum revient de la gym. Puis on a commencé Twilight la semaine dernière ou l'autre d'avant, en tout cas. Puis on est rendu au Twilight 3. Je me rappelle jamais des noms. Je pense que c'est Hésitation. Je suis pas sûre. Fait que ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas écouté. Je pense qu'on a juste regardé les toilettes une fois, mon chum pis moi. Ensemble. En tout cas. Mais ça faisait vraiment longtemps qu'on les avait pas regardées. Puis c'est tellement bon, là. Mon Dieu, j'aime ça. Fait que là, on regarde ça ce soir. J'ai décidé ça. On regardait le 3. Fait que ça va être bien relax. Donc, je vais mettre fin au vlog parce que je pense que j'ai quand même pas mal vlogué aujourd'hui. Fait que à un prochain vlog. Bye! Banjo, tiens-tu dire bye? Tu dis bye? Regarde, Vita, mets ta main de Paul ici. Dis bye!